Oracle d'or. Je fais donc la vidéo pour le mois de mars en France, l'oracle soleil. Alors, que peut nous dire l'oracle soleil pour le mois de mars en France? Alors, mois de mars en France. Purification, hein, la cascade, elle nettoie, elle purifie. C'est une très bonne carte à tous les niveaux, hein, sur la mélancolie. Donc, on va nettoyer, hein, on va nettoyer tous ces sentiments-là de tristesse, de déprime, de solitude. Ça se nettoie à partir du mois de mars. Alors, mars. Enfermement, hein, donc la toile d'araignée, tout ce qui est le manque de liberté qu'il y a eu. On nous parle d'une association. L'épanouissement, ça c'est une bonne carte. Adaptation et la mélancolie. Donc, les gens ont dû faire preuve ou vont encore faire preuve d'adaptation malgré un sentiment de mélancolie. On nous parle d'épanouissement. Il y a de l'aide, une association. Alors, on va recouvrir. Et ça, c'était bon, le manque de liberté. Hein. Tout ce qu'il y a eu. Alors, sur l'enfermement, on a l'amour. Donc, ça a créé des liens. Ça a créé de la fraternité, hein, comme on l'a vu souvent. Association plaisir. Donc là, ça peut parler, vous voyez, il y a un violon. Là, ça peut parler de métier artistique, d'art, de musée. Donc, peut-être des... Je ne sais pas si c'est des syndicats, mais des regroupements. Hein, on parle d'associations artistiques. Alors, peut-être c'est des lieux qui vont pouvoir réouvrir les centres, les écoles de musique, les choses comme ça. Organisation. Oui, c'est en train de... Ça va se remettre en route. Bah, de toute façon, avec la fin du pass, oui. Donc, je pense que ça, c'est une reprise au niveau de tout ce qui est artistique. Alors, épanouissement et don. Bon, ça, c'est l'aide. Hein, c'est l'aide, le don. Hein, c'est les richesses qui sont partagées. Il y a l'épanouissement. Alors, le mois de mars, aide. Bah, vous voyez, je dis aide et on sort l'aide hein, dessus. Donc, il y a de l'aide quand même, épanouissement, de l'aide. Bon, on va en savoir un peu plus. Par rapport aux manipulations, aux tromperies. Donc, ça va dans le sens de révélation, je pense. Hein. Alors, en réponse, on a l'adaptation et on a la transmission. Ah, alors là, je le vois, moi, dans le sens, là, dans ce contexte actuel, des élections, parce que là, on passe le flambeau. Hein, on passe le flambeau à quelqu'un. Donc, pour moi, ce ne sera pas le président sortant, hein, d'après les tirages. Donc, il va passer le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est bien une idée de transmission. Donc là, il y a une adaptation. Donc là, ça parle des élections. Affaiblissement. Donc, ça a été... oui, pour l'instant, là, c'est même en suspens, hein, ces élections. Connaissance. Alors, connaissance. Et clémence. Donc, ça, la clémence, donc ça peut même évoquer la justice avec les balanciers. Mais je pense que là, c'est dans le sens de... Ça va reprendre. De toute façon, on l'a vu dans les deux jeux que ça allait reprendre. Là, ça me fait toujours penser en ce moment, là, ça, au livre où on est marche, là, dans les bureaux de vote. Donc, je pense, avec la clémence, je pense que ça va s'arranger, là. De toute façon, on a vu des jeux qui parlaient de candidats, là. Donc, c'est que ça va reprendre, hein, je pense. Ensuite, mélancolie, préjudice. Donc là, c'est sûr, hein, les préjudices, les pertes à tous les niveaux. Échange, communication. Alors là, ça nous parle peut-être des transports aussi. Puissance. La lutte. Oui, préjudice, transport. Moi, j'ai vu dans une région que le TGV, ils avaient 30% au moins là avec le pass. Donc, il y a eu aussi donc, des préjudices au niveau des transports. Compagnie aérienne, vous voyez, là, il y a tout. Là, il y a le bateau, il y a l'avion, il y a la route et il y a le chemin de fer. Donc là, il y a la lutte. Hein. Bon, bah, c'est des gens qui se sont posés, hein, je pense. On voit ça comme ça. Confusion. Donc, c'est vrai que ça a été totalement une période complètement de confusion. Hein. Comme la carte le dit. Mais il y a la droiture. Ça veut dire que les choses reviennent à leur place, hein. Ça a même une idée de justice ça, dans ce jeu, ça revient, les choses se remettent en place, donc bah, c'était positif, donc là le jeu il nous dit tout reprend, en gros ce jeu là moi je l'interprète comme ça, ça reprend, même au niveau des élections, bon là on a de l'aide, alors là c'est intéressant, et tout reprend même au niveau suite à tous les préjudices qu'il y a eu, hein. Moi je pense que c'est la fin du pass, tout va reprendre, les choses se remettent à leur place, et là l'aide sur les manipulations, et oui oppression, manipulation, pression, mais là c'est bon, il y a épanouissement et aide, donc on dirait que même ça, même de ça, on va s'en sortir. Ah bon, ça nous l'a dit depuis longtemps. Ah ouais, guide. Alors on a la statue de la liberté, hein. Donc grâce à un guide aussi, hein.
Donc là, on a aide, épanouissement, qui nous sortent de ces manipulations, pressions. Et d'ailleurs, dans la coupe, on a eu la cascade qui parlait de purification, hein, rappelez-vous. Donc là, grâce à des aides, hein, guide. Donc, on peut remettre une sur le guide. Et libération, ben voilà, ben on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Bon, ça nous l'a dit depuis des mois, hein, même si c'était dur. Ben là, ça y est, là, la sortie, vous voyez, ça s'appelle sortie. On la voit, la sortie. Donc, épanouissement, don, aide, manipulation, oppression, guide et sortie, libération. Voilà pour le tirage du mois de mars. J'aime toujours finir sur des notes positives, mais là, c'est les cartes. Hein, c'est... Et j'en suis ravie. Donc, j'espère que vous aussi, que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.